exploite tous les deux violemment. Je vais pas m'avancer, je connais pas le match-up. Je pense que Luigi peut gratter plein de pourcents super vite sur les Talmac et ensuite le foutre off stage avec genre une back throw, un down throw back air. Mais de son côté, Luigi qui a déjà beaucoup de mal à atterrir dans tous les match-up, je pense que contre les Talmac ça va être encore pire. On est parti sur BF, un stage que apprécie pas mal The KP. De quoi? Lonnie, il est parti. Oh là 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 là, et voilà typiquement ce genre de situation à l'aide terrible où Gnecco s'est fait avoir pas. Oh là là, oh là là, il a tenté, le fameux setup, il a fait un U-smash. S'il y avait pas une, s'il y avait une tech pas ratée pardon, de la part de Gnecco, on aurait eu un lock, ça aurait été un stop extrême. On a tenté un KO punch en entière, la mauvaise punition de Gnecco qui est parti sur un dash grab. Il faut commencer à optimiser ses punishes contre Little Mac à partir d'un moment, genre. Même après, si on se dit ouais j'ai échappé belle machin, si t'as une occasion d'avoir le Shoryuken faut le faire cash quoi, c'est le genre de perso qu'il faut éliminer avant qu'il ait une magazine trop de rage. Et encore une fois Gnecco qui risque de se faire avoir à l'edge. Bien vu, est-ce que ça va Gimp? Mais non c'est pas suffisant, mais je vois trop de joueurs respecter Little Mac dans cette situation. Va le chercher, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la situation où il fait un side B comme ça? Oui. Ouais, en fait au pire tu trade et alors lui il meurt et toi tu as pris tes 15%. Non, vraiment, non, le vraiment du pire c'est il touche et toi non. T'es on stage. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais, voilà, t'es on stage. Alors que tous les autres scénarios c'est lui qui est mort. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu, ok, la base. Ça devrait finir, ça devrait finir. Non, tu veux pas. Mais est-ce qu'il va le laisser? Ok, voilà. Joli, ouais. Il se décide à sortir et se dit attends. Peut-être que je vais pas le laisser monter une troisième fois de la même manière. Et du coup, tout simplement, petite edgeguard de Luigi. Ok, on est parti, les combos. C'était pas opti comme combo, mais pour autant, c'était déjà une petite trentaine de pourcents. Ouais, ouais, c'est pas mal. Il y a quoi comme gros joueur à ce tournoi, à part toi ouais. Bah, il y a Elex Yao. Et voilà. Sinon, il y a tous les bons joueurs du Sud. Ouais, vraiment, en gros, en joueur du Nord, en bon joueur, il n'y a que Elex Yao. Et sinon, il y a littéralement. Non, il y a Nin aussi. Ouais, il y a Nin aussi, ouais, je pense que c'est pas trop dans le Nord. Il y a Fire et Yoshiros. Ah putain, oui. En fait, le Nord pour moi, c'est Paris-Lille. Mais c'est vraiment. Ouais. Donc, en gros, du Nord, t'as Elex Yao, Fire. Comment ton Fire. Qui est revenu à Even? Non, non, mais je réponds quand même, c'est intéressant. Ah oui, non, c'est Even. Bon, c'est intéressant aussi. Je répondrai après à la question. Donc. KB qui trouve une super armor pour se jeter sous, dans une boule de feu plutôt, qui trouve pas mal encore une fois l'atterrissage de Luigi. Le dans smash, la jab, ça pourrait pas être. Ah si, ça a été fini. Ouais, ouais, non, ça se fait punir. Ouais. Oh là, putain, il mâche vraiment comme un champion. Hein. Alors, il est monté, KB? Non, Gnecco, ouais. Gnecco, il est monté au-dessus de l'aile. Non, la DI, ça va. C'était une très mauvaise DI. Oh là 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 là. Sur spot, pas, hein. Sur spot du up smash, je suis étonné. Franchement, il était bien collé. Ouais. Ouais, là, ça. Oh, oh là, le jump cancel. Directement. Ouais, c'était vraiment bien joué. Et le up smash qui en fait. Cette fois-ci, c'est très joli, dit. Très joli. Alors, moi, on m'a dit, passage, un petit point de détail, hein, ce KO punch qu'il a fait en avançant super loin. Ouais. Moi, je crois que c'était un jump cancel, t'étais obligé de le faire. Mmh. Et je sais pas qui m'a dit que tu pouvais juste dash et benet. Donc ouais. Juste pour dire les bons joueurs qui sont là, on a Elex Yao, Fire, Yoshiros et Nin qui viennent de la moitié nord de la France. Et sinon il y a littéralement tout le sud, donc il y a les top marseillais, il ouais. Y a Nif, Onika, bon il y a Purga aussi. Non, il n'y a pas Onika. Comment ça? Il n'y a que en double. Ah ouais? Il fait pas le sort. Pourquoi? Il y a la Japan Expo en même temps, et il doit tenir un stand là-bas avec ça. D'accord, parce que je l'ai vu donc justement. Ouais, il vient que pour le double. Ok d'accord, autant pour moi dans ce cas-là, il manque Onika qui est quand même une des forces majeures du sud. Sinon en niçois on a tout le monde sauf Yas. Bon, Inter aussi. Donc ouais. on a Mana et Grail. Ensuite de Montpellier, on a Yata, Wolf. Hein? Vas-y, viens! Oh! Ah. On a un Arrancar. Ce soir. Attends, c'est. C'est là, c'est Chiki. Non, c'est ça. Ouais. Là, il y a 1-0 pour Karim. En fait, surtout que Disney Crew a commencé de la meilleure façon possible. Go down B. Eh, non, là, ouais. Le budget qui fait les pires down B possibles. Ouais, en tout cas, c'est Goten, ouais. Donc du coup, ils sont partis du même stage. Bon, on a vu que c'était assez even tout à l'heure. Je sais pas s'il y avait mieux à faire pour Luigi quand même. Ça, je Ben Dubac nous a montré que c'était quand même un bon joueur de qualité à lancer un Galaxy World Smash. Hein. Ouais. Oh, le World Smash qui devrait suffire. Qui devrait suffire. Comme au premier stock du premier match, hein. C'est un sale down smash à l'edge. Ouais. Tout à l'heure, ça avait fait un stage pack chelou. Et là, avec... Ah. Oh là là là. Ça y est, le KO punch.
pas, peut-être pas. Peut-être encore franchement, sur une plateforme, peut-être. Ouais, sur une plateforme, très probablement. Et il y va. Il tente les douilles. Ça s'est vu, hein. Les douilles de l'auto-cancel. Ok, bien vu. Oh, malheureusement, cette fois-ci, c'était mal fait. Oh là là. Et il part pas, c'est bizarre. J'ai tellement l'habitude de voir Neko partir sur des Shoryuken dès qu'il est sûr de l'avoir. Oh non. Ouais. Oh, top 10 in the world. Top 10 ouais. Saddest animé death. C'était. C'est le KB qui est en train de prendre tout le momentum, mais c'est bien. Hein. Le mec il a deux stocks d'avance, c'est compliqué là. Oh là là, c'est fini. 3 stocks autoritaires. Oh là là. Ouf. 3 stocks autoritaires, Snake qui est dépité.